C'était un esprit très brillant. Déjà tout jeune, il se distinguait de la masse. Et c'est quelqu'un de très affable, très courtois. Il a un immense sens de la civilité, chose qui m'a toujours impressionnée. Il est très fidèle en amitié. Et c'est quelqu'un vraiment, pour ses qualités humaines-là, de respect, de civilité, que je l'apprécie énormément. Parce qu'il est évidemment très brillant. Je dis toujours à tous nos amis communs que c'était le meilleur d'entre nous et il n'y a pas contestation à la matière. Parce que c'était d'abord un très gros travailleur. Je me rappelle qu'il dormait à peine 5 heures par jour quand nous étions étudiants, aussi bien au Cameroun, depuis le lycée au Cameroun et puis ensuite en France où nous avons continué nos études. Someone whom I knew for several years as a colleague at the University of Yaoundé in Ngwakele and subsequently the University of Yaoundé too in Soa, where we all at one point were young academics. Il ne parlait pas très fort, mais il était vif et il ressentait tout rapidement. Parce que déjà en classe de quatrième au lycée qu'elle a créé à Sikidoubabsam, vu l'injustice des Blancs, parce qu'à l'époque, c'est les Blancs qui nous enseignaient. Il n'y avait pas de Noirs. Les quelques Noirs qu'on pouvait avoir, c'était les professeurs d'éducation physique. Il s'élevait déjà contre les injustices que les Blancs avaient vis-à-vis du Noir et contre les professeurs Noirs. Something that struck me also about Professor Kamto was his deep sense of fairness and justice, and he would revolt against any instance of injustice. A number of those moments were created especially at ERIC with respect to certain students who who felt they were unfairly treated in the programs that they followed, and Maurice would fight very hard to make sure that the students were granted their rights. Samuel Wanko, âgé de 32 ans, est député et architecte. C'est lui qui dessinera le plan d'urbanisation de la ville de Bafoussam. Il sera assassiné alors qu'il s'opposait à la loi cadre de fer sur l'indigénisation. Il n'avait pas 3 ans à la mort de Wanko. Aucun souvenir vivant. Par contre, un événement viendra bouleverser sa vie. L'assassinat d'Ernest Wangye et ses compagnons Gabriel Tabe, alias Awambo le Courant et Raphaël Fossing. C'est un moment particulier de mon histoire personnelle. J'étais lycéen, j'étais au lycée classique de Bafoussam. Et le matin quand nous allons au lycée, puisque j'habitais le quartier Nylon, qui est le quartier où je suis né, où vivent mes parents, où vivaient mes parents à cette époque-là. À partir du stade du lycée de Bafoussam, on pouvait voir très bas, jusqu'au niveau justement du palais de justice actuel, l'hôtel de ville, palais de justice. Et nous étions sur le stade, en train de se distraire, de bavarder, de jouer, certains aux cartes, comme de gentils garnements de l'époque. Et on se rend compte que vers le palais de justice, c'est noir de monde. Il y avait une foule immense. Et lorsque sonne la rentrée, disons la fin de la pause, par curiosité, nous nous portons
vers le bas, donc vers le lieu où il y a cet assemblement de personnes. Il y a une foule vraiment inestimable. Et moi, je me rapproche. J'étais tout petit à l'époque, donc je pouvais me faufiler très facilement entre les personnes. Et il y a un arbre. Et dès cet instant-là, il y a des rumeurs que l'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui supplombe la scène, qui est un terrain vague, terrassé. Probablement, il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaye de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la scène. Et arrive donc un camion duquel descendent trois personnes, parce qu'il n'y avait pas que Ernest Wandier. Les noms, nous les saurons après, parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là. Mais tout le monde pouvait identifier Wandier comme étant le leader par sa stature. Il était grand, il portait des vêtements noirs et il avait avec lui son baluchon. Il était pieds nus. Il descend. Mais avant qu'il n'arrive, je dois dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux, donc des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par deux autres personnes, je crois, Fossin Raphaël et quelqu'un que l'on appelait Wambo le Courant. Et le peloton d'exécution est mis en place. Et il y a, je crois, un officier ou un sous-officier, mais les personnes à exécuter en jouent et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971. Mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam, pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun, est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat, et ce jusqu'à la victoire finale, avant de conclure en chantant « Que vive le Cameroun à jamais libre !» On tire. Et c'est terrible quand même, c'était la première fois que j'assistais à une scène pareille, parce que on est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais il y a en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce qu'on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais, pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a eu cette empathie naturelle et on se sentait en réalité faire partie de cette cause-là. C'est le sentiment en tout cas que j'ai eu à cette époque. Je crois que ce n'est pas un événement qui vous laisse indifférent et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi d'une certaine façon l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. De dire, enfin, on peut comme ça accepter de lutter pour les autres au point de donner sa vie, de lutter pour son pays au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, même inconsciemment, je crois, a contribué à me pétrir. Nous sommes dans la région ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la MIFI. Région d'origine de quelques-unes des grandes figures de l'émancipation du Cameroun, celles à qui par leur bravoure et sacrifice suprême ont conduit le Cameroun vers la décolonisation, a vu naître des héros de ce pays à l'instar d'Ernest Wandier. Il faut remonter au moins jusqu'à Douala Mangabel, Nkosu Dinh et Martin Poussamba pour retracer cette grande lignée des figures marquantes de la lutte pour l'émancipation de notre peuple.
Il précède les grands nationalistes de Ruben Umnyobe à Ousende Afana, Marthe Moumier, Abel Eyenga, et parmi lesquels figurent en bonne place d'autres fils et filles de cette région de l'Ouest, en particulier Samuel Wanko, Félix Roland Moumier, Mathieu Ndiasep, Célestin Takala, Tabe Gabriel, Raphaël Fotsing et bien d'autres qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'honneur de la patrie. Lorsque nous parlons des grandes figures de l'histoire politique de notre pays, ceux que je considère comme d'authentiques héros de la construction de notre nation, il faut remonter très loin dans l'histoire. Parfois, peut-être par raccourci, on se limite à l'histoire récente, mais pour ma part, je crois qu'il faut remonter au moins aussi loin que Douala Mangabel. Son combat, c'est qu'il part d'un combat que l'on peut considérer comme étant local, limité au canton Bel, pour en faire une cause nationale. D'une part, en envoyant un émissaire vers Martin Paul Samba dans le sud, qui accepte de participer à cette lutte contre les Allemands à cette époque-là, et vers le sultan des Bamoun, qui, je crois, pour diverses raisons, n'épouse pas totalement la cause. Et donc pour moi, c'est parmi les premiers actes, pour ne pas dire peut-être un des actes fondateurs du nationalisme camerounais. Ce pays est un pays particulier, cette cause nationaliste qui commence ainsi dès la fin du 19e siècle contre les Allemands va se poursuivre à toutes les phases de notre histoire et prend une dimension particulière à partir des années 40 et 50. Je dis 40 parce que l'UPC naît en 1948 et tout de suite se positionne comme un mouvement national, le mouvement nationaliste camerounais, parce qu'on doit à la vérité dire que voilà des gens qui ont très tôt, très vite situé leur lutte au plan national et pour la cause de l'émancipation de notre peuple. Et comme vous le savez, il mène un certain nombre d'actes. Dès le départ, ils ont toujours été très clairs. Revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Évidemment, ces quelques personnages dont j'ai cité les noms sont juste quelques figures marquantes de l'histoire du nationalisme camerounais. Et je dois dire d'ailleurs que même parmi les figures marquantes, il s'agit en fait d'une liste essentiellement illustrative. Car derrière ces personnages, il y avait de nombreux autres compagnons de lutte, de nombreux autres héros du mouvement national camerounais, qui, à vrai dire, venaient de toutes les régions du pays. Quand on revisite notre histoire, on se rend compte que le mouvement nationaliste camerounais avait un enracinement véritablement national. Il ne serait pas possible ici d'en dresser une liste exhaustive, à supposer que cela fût possible. De toute façon, il faudra que nos historiens s'y penchent pour faire ressortir justement ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui un peuple libre, debout et indépendant. Mais quand on parle du nationalisme camerounais, on a coutume en réalité de faire référence presque exclusivement aux héros de la partie francophone du pays, en oubliant que nos compatriotes de la partie anglophone ont joué un rôle déterminant. D'abord parce que quand le mouvement nationaliste a été contraint à la clandestinité, traqué, ses militants étant traqués, ont pour la plupart trouvé refuge du côté anglophone du pays. Ce sont nos compatriotes anglophones qui les ont accueillis, les ont protégés. Mais ils sont allés plus loin, ils sont allés au-delà. Ils ne sont pas contentés, justement, de leur donner une base arrière. Ils ont participé, d'un point de vue politique, à la construction du nationalisme camerounais. Quelqu'un comme Ndetou Maza, par exemple, a créé à l'époque ce qui était pratiquement le pendant de l'UPC du côté anglophone et que l'on appelait le One Cameroun. Mais il y a une figure plus marquante que je ne pourrais pas ne pas évoquer ici, celle du docteur John Bufoncha, qui pour moi est véritablement l'artisan
de la réunification du Cameroun. C'est le père de la réunification du Cameroun. Parce qu'il aurait pu faire échouer la conférence de Fumban et donc rendre impossible la réunification s'il n'était venu avec le désir ardent, justement, de contribuer à la réunification, à l'aboutissement de la construction d'un Cameroun uni dans ses deux composantes anglophones et francophones. Ce n'était pas la réunification après l'indépendance, c'était l'indépendance et la réunification en même temps. Je crois que nous ne le disons pas assez, nous ne soulignons pas assez cet aspect justement de la cause nationaliste qui a un écho aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise anglophone, parce que pour eux, la partie anglophone du pays, c'est-à-dire le Cameroun méridional, c'est-à-dire la partie sud, et le Cameroun septentrional, dont on ne parle pas assez. C'est vrai que nous avons perdu cette partie de notre territoire. Donc, les deux faisaient partie d'un même et seul Cameroun. Les nationalistes camerounais, dès l'origine, demandent l'indépendance et la réunification. Or, les puissances administrantes de l'époque ne l'entendent pas de cette oreille. Et dont le parti nationaliste sera violemment combattu. Et c'est là que des personnalités d'exception se signalent, se distinguent. D'abord le secrétaire général de l'UPC, Ruben Umniobe, du haut de sa grande taille, de son élégance d'esprit, je ne parle pas physique, de sa hauteur d'esprit, qui était entre autres l'attachement au dépassement du tribalisme. Ils ne niaient pas l'existence des tribus, mais ils estimaient qu'on devait dépasser les tribus. Et même dans leur comportement, dans leur vie privée, ils ont témoigné de cela en épousant les uns et les autres des femmes originaires d'autres régions que les leurs. N'est-ce pas? Que ce soit Marthe Wandier ou Marthe Moumier, je veux dire, ou d'autres, c'est El Tebboulou, n'est-ce pas? Et je revois encore son image lorsque elle se rend à Genève parce que son mari est victime d'empoisonnement, avec une dignité extraordinaire. Quand nous parlons d'ailleurs des nationalistes, on ne parle pas assez de ces femmes-là. Je crois qu'on doit insister et souligner le rôle exceptionnel qu'elles ont joué. Elles n'étaient pas que des femmes au foyer, c'était des militantes et des combattantes qui ont été exceptionnelles sur le terrain. Elles ne se contentaient pas d'appuyer leurs époux. Elles avaient leurs convictions nationalistes et idéologiques et elles ont travaillé, elles ont pris des risques. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est aussi, je dirais même d'abord, grâce à elles. On ne souligne pas assez l'héroïsme d'un jeune, 36 ans, premier docteur en sciences économiques d'Afrique subsaharienne au CNDAFA, qui est mort assassiné dans le maquis de Djoum, dans le sud du Cameroun, parce qu'ils avaient monté une opération à partir du Congo. Ceux qui aiment brocarder les uns et les autres, ils disent qu'il était myope et qu'il a perdu ses lunettes, il a tourné en rond dans le maquis, il a été assassiné. Mais il n'y a rien qui puisse prêter à rire là-dessus, parce que quand un jeune homme qui a tout devant lui, à 36 ans, docteur en sciences économiques, il pouvait prétendre à tout dans ce pays, accepte de se sacrifier de cette façon-là. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour notre peuple, pour notre pays, mais l'héroïsme n'est pas que dans ceux qui sont morts. L'héroïsme, c'est dans ceux qui continuent, effectivement, à travailler pour que notre pays avance en prenant des risques de toutes sortes. Et je pense que le nationalisme camerounais va au-delà de ce que on peut dire des uns et des autres. C'est quelque chose de presque diffus. Chacun de nous, inconsciemment, sans que les parents même ne lui en parlent, presque né avec ça. C'est un peu comme si c'était génétique chez les Camerounais. Vous verrez, vous avez sans doute puis constater que dans nos écoles, on n'enseigne pas cela. Et pourtant, chacun de nous, quelque part, connaît le nationalisme camerounais et porte en lui une part de ce nationalisme. C'est une spécificité camerounaise, c'est une cause nationale dont personne ne peut revendiquer le monopole. Et je me réjouis que de nombreux Camerounais de toutes les régions du pays portent en eux cette cause.
Oui, je suis né le 15 février 1954. Pas à Bafoussam, mais en fait, mes parents vivaient à Bafoussam. Je dirais que j'ai été conçu à Bafoussam, mais je suis né à l'hôpital de Bangoua. J'ai fait l'école primaire Saint-Joseph, qui est l'école catholique, l'école primaire Saint-Joseph à Balin-Bafoussam, jusqu'au cours préparatoire 1. Mais je passe deux années assez difficiles pour moi à Baham parce que j'étais loin de mes parents. J'avais grandi en ville, je ne m'y retrouvais pas, donc je retourne à Bafoussam et je poursuis au collège Saint-Joseph jusqu'à mon certificat d'études primaires. Après la classe de 3e, en l'entrée en seconde, le BEPC, je dois dire, le lycée était encore à cette époque-là tenu par des enseignants de la coopération. Donc c'était des Français, en très grande partie. Hein. Il y avait très très peu de professeurs camerounais à l'époque. Je me souviens qu'on avait un professeur de mathématiques qui était camerounais et c'est presque tout. Et donc j'ai fait le lycée Jos de Douala. Ensuite, la première et terminale au lycée Jos, où j'ai eu mon baccalauréat au lycée Jos. J'ai eu mon BEPC au lycée classique de Bafoussam, mais mon baccalauréat au lycée Jos. Maurice Kamto était un élève, un camarade qu'on ne peut pas oublier. Nous sommes à deux là-bas à Ezeka. Il y a Momnougui Jacques et moi qui étions dans la même classe que lui. Et chaque fois qu'on en parle, même quand on l'avait nommé ministre, quand on voulait déjà venir le voir, c'est là qu'on avait dit qu'il a démissionné. C'était un meneur d'hommes. Je parle d'un meneur d'hommes au niveau des conseils. Ce n'est pas lui qui était le président de la coopérative des élèves, mais lui, il était un meneur d'hommes au niveau des conseils. Un meneur d'hommes au niveau de la salle de classe. Il était un exemple. Et je pense que cet exemple-là doit se répercuter dans la nation. C'est un exemple que nous devons avoir. And it doesn't therefore come to me as a surprise to hear that with that background, he should be seeking to be president of the Republic. For him to go into politics, it seems quite a natural progression from where he was at the university and in government. I therefore wish him luck in his endeavors. I know that there's going to be a wide field of candidates, and I'm sure the best of those candidates will eventually win. But I also want to say that the nation owes Professor Kamto a great deal when we think of his contribution in the legal team that argued the case for Cameroon before the International Court of Justice. And considering that at first the powers that be tried to exclude him from that team. Nous l'avons jamais vu au sein du lycée discuter avec son camarade ou faire du bruit comme les autres. Il était calme, très exemplaire dans tout ce qu'il faisait. C'était un garçon discipliné qui était correct, qui soignait sa manière de vivre. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un jour une dame qui est devenue ma cliente et qui m'a raconté un épisode de son enfance avec le président Kamto qui était à l'époque élève à l'école primaire déjà à Bafoussam. Cette dame me dit que Kamto devait être forcément un leader. Je me souviens, me disait-elle, qu'étant à l'école primaire, il y avait un terrain de jeu où les jeunes garçons et les jeunes filles venaient jouer au football et d'autres jeux d'enfants. Et un jour, il y a un homme qui est venu pour construire sur ce terrain. Le petit Kamto, qui avait à peine 10 ans, était le premier à se lever contre des grandes personnes pour dire on ne peut pas construire sur un terrain de jeu parce que sinon les enfants n'auraient plus où aller jouer. Et c'était déjà chez lui, me disait-elle, un signe de charisme inné. Comme toutes les familles de Bafoussam,
Mon père avait des plantations et c'est ainsi que nous allions généralement à la plantation dès le vendredi soir à la sortie de l'école pour revenir seulement le dimanche soir parce qu'on passait tout le week-end à la plantation au champ. J'ai pas côtoyé ou bien eu connaissance des gens qui travaillent, des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, parce que nous, quand on allait à la plantation, si on ne partait pas le vendredi soir et on choisissait de partir plutôt le samedi matin, à 4 heures du matin, il fallait être debout. Alors, donc, je disais que ce n'est pas à travers la vitre de mon véhicule ou, je ne sais pas moi, en passant, que j'ai eu contact avec ceux qui se lèvent très tôt, de bonne heure, pour aller travailler. Moi, j'ai vécu ça. Et donc, peut-être certaines personnes me voient aujourd'hui et croient que je n'ai pas eu le contact avec la terre. Je suis fils de commerçant, mais je suis aussi fils de la terre. Donc, je sais ce que c'est que aller au champ, labourer toute la journée, rentrer le soir ou le lendemain avec un fagot de bois ou avec un régime de plantain. Donc, voilà. Commence à l'université de Yaoundé, qui était encore la seule université du pays à ce moment-là. Donc, nous avons fait ce qu'on appelait à l'époque la licence en 4 ans. Et c'était d'ailleurs généralement la licence droit et sciences économiques. Mais j'ai fait l'option droit public j'ai obtenu ma licence avec une mention bien. Nous étions 3, donc un autre Camerounais. Jean Dieudonné Tchama, qui est devenu plus tard diplomate, et un autre camarade qui était nigérien du Niger. Eh bien, Maurice a la foi en la modification, en un avenir meilleur pour ce pays. Il a aussi cette empathie nécessaire, qui l'amène à se soucier des misères et des malheurs de ses compatriotes. Je l'ai connu dans ses engagements, qu'on peut qualifier déjà de politique lorsque nous étions étudiants dans les années 70 à l'université de Yaoundé. C'est quelqu'un qui a pris part les mouvements estudiantins lorsqu'il a fallu contester ou revendiquer certaines transformations dans la loi, par exemple de Dame Joya qui modifiait le régime des licences à l'université du Cameroun. Déjà à cette époque, il s'était engagé. C'était peut-être quelque part une sorte de prédestination de ce qu'il va devenir plus tard. Il y a eu un épisode extrêmement important de ma vie. Je suis déjà en 4e année, parce que la licence à ce moment-là se faisait en 4 ans. Donc je suis en 4e année de licence en droit public et on fait la réforme de la licence et on ramène la licence de 4 ans à 3 ans. On l'applique à la faculté de lettres et à la faculté des sciences, mais pas à la faculté de droit et des sciences économiques, où j'étais étudiant. Je n'habitais pas le campus universitaire, j'habitais à Essos. J'arrive le matin et l'information est portée à notre connaissance. Et beaucoup d'étudiants, surtout nos cadets, sont frustrés en disant, mais enfin, pourquoi nous devons-nous faire notre licence en 4 ans et nos camarades des facultés de lettres et des facultés de sciences en 3 ans? Surtout qu'à la sortie, nous présenterons les mêmes concours, mais eux, ils auront eu leur diplôme en 3 ans et nous, 4 ans. C'est injuste. Mais là encore, Maurice Kamto était encore parmi ceux qui revendiquaient, ceux qui étaient les porte-parole. Et il le faisait avec la douceur. Nous autres, on se réunit, on allait lui dire, mais comment? Maurice, tu es en train de faire quoi comme ça? Pourquoi tu te mets devant le cercueil? Pourquoi tu prends le micro? Il nous a dit, vous voulez qu'ils prennent le micro.
nous sommes en train de défendre la cause de tout le monde, votre cause. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Je suis un peu comme ça. Donc je me dis, mais enfin, ça, oui, on ne peut pas accepter ça. Donc c'est une cause qu'il faut défendre. Je rencontre quelques-uns de mes camarades sur le campus et on dit, mais il faut faire quelque chose. Et rapidement, on s'organise. Et on dit, nous voulons que la règle de 3 ans en licence s'applique en faculté de sciences économiques, en faculté de droit et de sciences économiques. Et parmi mes camarades qui me suivent, avec qui on engage ce mouvement, ils sont encore là, hein, un certain nombre d'entre eux vivants, certains à des postes de responsabilité. Un d'eux a été représentant de la BAD à N'Djamena pendant un certain temps, d'autres sont dans la diplomatie aujourd'hui, et d'autres à d'autres postes de responsabilité. Après cela, je vais être admis à l'université française, plus particulièrement à la faculté de droit de l'université de Nice. Je vais être admis en ce qu'on appelait à l'époque DEA, de droit public fondamental, avec une mention bien. Je passe le DEA de droit international, avec une mention assez bien. Je passe le diplôme de l'Institut des hautes études internationales avec mention bien. Je passe le certificat d'études communautaires avec une mention assez bien. Tout cela la même année. Ensuite, je m'engage dans une thèse de doctorat d'État. Je mène mes recherches aussi bien à Nice qu'à Paris. Et lorsque je suis à Paris, je fais l'Institut international d'administration publique. Je suis admis là-bas. Je fais la section économie et finances. Au bout d'un an, j'obtiens donc le diplôme de la section économie et finances avec la mention bien. Et puis, parallèlement, je poursuivais avec mes recherches en thèse de doctorat. En 1983, très exactement en novembre 1983, j'irai soutenir ma thèse de doctorat à l'université de Nice. Où j'obtiendrai donc la mention très bien avec les félicitations du jury, avec autorisation de publication de la thèse. Ma thèse a été publiée à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence et j'ai obtenu le prix de thèse de la Faculté de Droit de Nice et aussi le prix de l'Académie des sciences d'Outre-mer pour cette thèse. Hubert Monondjana écrit un livre qui s'intitule « L'idée sociale chez Paul Biya ». J'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux. Et je pense qu'il avait sans doute lu quelques papiers de moi qu'il avait probablement apprécié, sinon sur le fond, au moins sur la forme. Donc je me retrouve à la chancellerie de l'université de Yaoundé, qui était encore la seule université du pays. Et il m'interpelle et il me dit, mais est-ce que, on se croise, donc il me dit, est-ce que vous pouvez rendre compte de mon ouvrage, l'idée sociale chez Paul Biya? J'ai dit volontiers, peut-être croyait-il que j'étais journaliste d'ailleurs. Et j'accepte de le faire et je lui dis, à condition que j'ai la liberté de dire vraiment ce que j'en pense. Il dit, pas de problème. Je vais lire l'ouvrage et plus je lis, plus je suis abasourdi. Non seulement l'ouvrage vantait les mérites de l'action sociale, ou plutôt de l'idée sociale du président de la République avant la moindre réalisation, mais l'ouvrage avait un passage qui m'a fait froid dans le dos, où il disait, je cite de mémoire, « Préserver les appareils répressifs de l'ancien régime pour les retourner contre tous ceux que l'on soupçonne d'être contre le renouveau. » Et là, lisant cela, d'un enseignant d'université, philosophe, de surcroît, j'étais catastrophé parce que je suis d'une génération qui, alors que nous étions étudiants, suivions les crimes de Pol Pot au Cambodge. Les Khmers rouges ont tué plus de 3 millions de Cambodgiens parce qu'on les soupçonnait d'être
contre le communisme. On les soupçonnait d'activités anticommunistes. Et voir que, après l'avènement du nouveau président de la République, seulement 2 ou 3 ans après, un universitaire camerounais défend une telle idée, me paraissait quelque chose non seulement d'inimaginable, mais d'insupportable. Donc je fais mon compte rendu qui est publié en plusieurs temps dans le journal Le Messager. Dès cette époque, nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait pousser, tirer vers l'avant le train de la démocratie. Et quand je lis dans l'ouvrage d'un enseignant d'université qu'il faut préserver justement les appareils répressifs pour les retourner contre ce que l'on soupçonne d'être contre le renouveau, je dis c'est là on est en train d'emprunter la mauvaise pente. Et donc quand mon commentaire de son ouvrage paraît, il n'est pas du tout content. Je ne sais pas comment ça se passe. Sans doute travaillait-il avec les services de renseignement camerounais qu'on appelait la DIRDOC à l'époque, qui est aujourd'hui la DGRE. Je suis dans la résidence, la maison que je partageais avec certains de mes copains à l'époque. Nous étions encore célibataires, donc on avait un immeuble à la SIC qu'un de mes amis qui était assureur aussi louait et qu'on partageait. Il y avait plusieurs chambres. Je suis donc dans cette maison un vendredi soir quand un agent de l'IRIC, puisque j'enseignais à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, arrive accompagné de 2 personnes. Et ces personnes on les introduit dans la maison et ces personnes se présentent de façon très courtoise, très polie. Ils me disent « Le grand patron veut vous voir. » Ah. Moi, je dis « Le chancelier ?» Parce que pour moi, le grand patron, pour moi, ne pouvait être que le chancelier parce que mon patron, c'était le directeur de l'IRIC et au-dessus de lui, il y avait le chancelier donc je ne pouvais pas voir plus loin. Il me dit « Non, 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 le président de la République. » Je tombe des nues comme vous pouvez imaginer. Moi, le président de la République veut me voir, il me connaît. Enfin, tiens, ah oui, monsieur, il vous connaît, le président veut vous voir. J'étais en bras de chemise et je me suis dit, par politesse, on ne se présente pas au président de la République en bras de chemise. Je leur dis, donnez-moi une minute, je vais mettre quand même une chemise, une cravate et une veste. Donc je vais m'habiller à peu près correctement. Ils me prennent et je me rends compte que, au lieu de se diriger vers le palais, on se dirige vers le lac. Je leur dis, mais enfin, où est-ce qu'on va exactement? Et là, la politesse, la courtoisie dont ils faisaient preuve jusque-là disparaît. Et ils deviennent menaçants, presque insultants. Ah oui, monsieur, pour qui vous prenez-vous? Voilà, hein, vous écrivez des choses et vous insultez le président de la République et tout. Donc, ils m'amènent à ce qui est aujourd'hui la DGRE, parce que je crois que ça devait être à l'époque le DIRDOC, comme on l'appelait. Donc, je vous passe les détails parce que c'était long quand même. On m'a interrogé très longuement. Et à la fin, on me dit attendez, donc on me fait attendre à côté. Et quelqu'un me reprend dans la voiture et on m'amène donc à la BMM. Quand j'arrive, le commissaire m'accueille et m'interroge. Il dit comme ça, vous passez votre temps à écrire, hein, à écrire et à tenir des propos. injurieux à l'endroit du chef de l'État. J'ai dit, mais où est-ce que j'ai tenu des propos à l'endroit injurieux à l'endroit du chef de l'État? Simplement parce que j'ai dit que non, on ne peut pas exalter la politique sociale du président de la République puisqu'il ne l'a pas encore mise en œuvre. Attendons qu'il ait mis en œuvre, on va faire le bilan et on va exalter. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Il a développé peut-être des idées qui deviendraient des réalisations. Pour l'instant, il n'a pas encore mis en œuvre. Et on a trouvé que j'avais injurié le chef de l'État. Enfin, il y avait d'autres choses. Et il m'ordonne avec autorité, déshabillez-vous. Et donc, j'étais complètement nu. J'avais gardé quand même mon sous-vêtement. Enfin, je veux dire, mon slip pour parler très simplement que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Donc on m'a permis de garder cela. On m'amène dans ma cellule et c'était une cellule cimentée, mais on avait versé de l'eau sur le sol. Et on m'a demandé de me coucher là, c'était ma cellule. Donc je vais passer vendredi, samedi, dimanche là-bas. En fait, ce qui me fait sortir finalement, c'est que enseignant à l'IRIC, j'ai dirigé beaucoup d'étudiants, parmi lesquels des étudiants étrangers.
Et parmi mes étudiants, il y avait des étudiants béninois, entre autres. Et le lundi suivant mon arrêt, qui suivait mon arrestation, c'est-à-dire j'étais arrêté un vendredi, alors que le lundi, on devait commencer dans la session de soutenance des mémoires. Et on arrive le lundi, un de mes collègues, qu'on vient de nommer d'ailleurs membre du Conseil constitutionnel, est président du jury. Je devrais le nommer parce que je ne crois pas que ce soit un secret d'État. Le professeur Bipoun est président du jury. Et il pose la question, mais où est le professeur Kamto? Parce que c'est lui le directeur, on ne peut pas organiser une soutenance de mémoire sans le directeur, celui qui a encadré les étudiants. Évidemment, les gens lui disent non, non, on peut le remplacer et tout, parce qu'il n'était pas question qu'on insiste outre mesure sur mon cas. Et personne ne savait où j'étais, à part l'agent de l'université qui avait amené, l'agent de l'IRI qui avait amené ces gens-là chez moi, qui savait que finalement on m'avait amené à la dire donc. Et évidemment, un bon universitaire qui respecte la déontologie universitaire, ainsi que les franchises universitaires, le professeur Bipoun leur dit de toute façon, on ne peut pas organiser une soutenance sans la présence des directeurs. Par conséquent, ça ne se fera pas, je ne le ferai pas. Et donc, et je dois lui rendre justice et hommage de cela. Et donc, les soutenances n'ont pas eu lieu. À partir de là, les étudiants béninois qui devaient soutenir, parce qu'après ils devaient rentrer chez eux, vont se plaindre à leur ambassade en mission diplomatique. Donc l'affaire commence donc à faire grand bruit, à gagner les missions diplomatiques et remonte. Donc c'est comme cela que l'on, pour ne pas que ça prenne d'autres proportions, que l'on ordonne ma libération. Donc je suis libéré et je peux donc à partir de, je crois, mardi ou mercredi, prendre part aux soutenances de mémoire à l'IRIC pour libérer les étudiants. Well, Maurice had a significant input into the case. He was one of the lawyers. There were a number of lawyers, Anglophone and Francophone lawyers, who dealt with the case, and Maurice was one of the group. So he had his own work to do. He had his own research and drafting to do. And at the same time, he commented on the work of the other lawyers, like we all did. Je peux raconter une ou deux histoires. On était une fois à un meeting en caravane dans la ville de Fumban et notre jeune animateur s'est mis à dire au micro Maurice Kamto, l'homme de Bakassi, en référence à sa participation au procès à la haie dans lequel il a défendu les intérêts de son pays. Et il m'a fait appeler dans sa voiture pour me dire « Mais Maître Sim, on n'a pas envie de rappeler que je suis l'homme de Bakassi. Ce n'est pas nécessaire. J'ai fait mon travail avec humilité, par amour de mon pays. » Et je lui ai dit « Mais professeur, il nous faut quand même quelque chose qui vous présente, qui est facile à retenir et qui reste, qui est marqué, qui est gravé dans les mémoires des gens. » Il m'a dit « Non, ce n'est pas nécessaire. » J'ai jamais voulu réellement parler de l'affaire Bakassi, vous le savez, j'ai une certaine pudeur à en parler. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait pour ma gloriole. Je n'ai pas fait pour en tirer un avantage personnel ou particulier. Et c'est pour cela que je n'ai jamais mis ce que nous avons fait dans l'affaire Bakassi en avant. Que ce soit pour prétendre à un traitement particulier dans le cadre national ou international, encore moins dans le champ politique. Mais je peux dire brièvement quelques mots sur comment je suis arrivé. Je suis à l'amphithéâtre à l'université de Douala en 1994 lorsque le doyen me fait appeler en me disant qu'il y a un appel de Yaoundé et que l'on voudrait me parler.
j'y vais et c'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le ministre d'État Ferdinand Oyono, qui me parle et me dit les raisons pour lesquelles il voudrait me voir. Donc, on convient d'un rendez-vous. Je passe les détails parce que je crois que je n'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails. Donc, je vais au rendez-vous après avoir achevé mon cours à Douala. Il me reçoit dans son cabinet ici au ministère des Affaires étrangères. Et donc m'informe de ce que le président de la République a demandé, si je peux m'occuper de la procédure que le Cameroun veut engager dans le cadre donc, de cette affaire. Je dois dire une chose parce que je ne peux pas ne pas dire celle-là. Il me dit très clairement, on sait que vous n'êtes pas avec nous, que vous ne partagez pas, disons, les mêmes vues politiques que nous, mais c'est une affaire de l'État. Et je lui ai répondu, en effet, monsieur le ministre, c'est une affaire de la nation. Et dans cette affaire, je me considère comme un soldat. Et il n'y a pas à mettre en avant des considérations idéologiques, politiques ou quoi que ce soit. Donc, je suis au service de la nation, je suis disponible à tout moment. Et donc, il me dit donc, allez travailler, allez me préparer voilà, la requête et tout ça. Donc, je vais le faire. Et bon, le reste, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, ce n'est pas le ministre Ferdinand Oyono que j'entre dans le dossier. Voilà, pour faire bref. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes impliquant beaucoup de personnes, des péripéties. Je crois que je ne vais pas en parler. Je n'ai pas envie d'en parler. Et voilà, j'ai toujours dit qu'il y a des choses que, dont je ne parlerai jamais, même pas dans mes mémoires. Mon entrée au gouvernement m'arrive comme beaucoup de choses. Je n'ai jamais fait une démarche en ce sens. Comme ma nomination comme doyen de la faculté de droit, le ministre d'État, Atanga Mebara, en a dit que, disons, en a révélé quelques aspects dans un livre qu'il a publié, comment il a démarché pour que je devienne doyen. J'entre au gouvernement. On m'appelle, on me prévient quand même, pour être tout à fait correct. On me prévient la veille que, voilà, on pense à vous pour au ministère de la Justice. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Mais je discute et je dis, qu'est-ce qui peut avoir justifié cela? Et il apparaît manifestement, à mes yeux en tout cas, que c'était étroitement lié justement à l'affaire Bakassi. Professeur Maurice Kamto, homme politique, enseignant, auteur, père, l'homme a plusieurs casquettes et sous chacune d'elles, il donne le meilleur de lui. L'expertise du professeur va au-delà des frontières nationales et tout porte à croire que Maurice Kamto n'a pas fini de faire parler de lui et de se battre pour hisser son pays, le Cameroun, au sommet. Maurice Kamto was the a member of the commission, but he was also the chairman of the commission one year, and he was an excellent chairman who kept good order in a very pleasant way. His topic in particular was a human rights topic about the expulsion of aliens, the expulsion of foreigners, and how if foreigners were expelled, it has to be done in accordance with human rights. So we worked together closely on that topic, but on many other topics.
on the International Law Commission. All questions of public international law. J'ai eu d'ailleurs à pratiquer comme avocat devant les tribunaux camerounais deux fois. La première fois, c'était dans un dossier dans lequel j'étais l'État pour défendre les intérêts de l'État, dans lequel j'étais avec Maître Mongetine. Et on n'a pas eu à plaider vraiment, donc, mais on s'est présenté devant la barre. Il a pris brièvement la parole après justement m'avoir présenté comme la courtoisie le veut au président de la cour d'appel. Et puis donc, dès lors que j'étais domicilié à son cabinet, j'ai pu participer à cette procédure. Et la deuxième fois, c'est récemment, lorsque j'ai mis ma toge dans l'affaire survenu à la suite de la crise anglophone et donc des leaders anglophones qui étaient arrêtés et détenus pour, entre autres, chefs d'accusation, n'est-ce pas, de terrorisme. Voilà pour ce qui est de ma pratique du barreau. Je dois dire d'ailleurs qu'en dehors de cela, je pratique aussi comme arbitre. Je suis arbitre dans un certain nombre d'affaires au niveau international impliquant soit un État et une entreprise, soit parfois deux entreprises entre elles. He's one of the great international lawyers in the world. Certainly on the International Law Commission, he was one of the very best members of the Commission, a very good representative of Africa on the Commission because it's a worldwide commission. His knowledge of international law is very good, both as a professor and also as a practitioner, as a lawyer, practicing lawyer, and his knowledge of human rights is very good. That was shown by his own topic on the commission about the expulsion of aliens. Well, we've been working together on a case at the International Court of Justice in The Hague, and I very much enjoy working with him. He's very good at the law, at the tactics, at the strategy of a court case, and it's a great pleasure to work with him. So we've been working for two years about on that case, and we see each other very frequently in The Hague and elsewhere. Devant la Cour internationale de justice, j'ai eu à défendre plusieurs pays en dehors de notre pays, le Cameroun, dont j'ai assuré la défense dans le cadre de ce que l'on connaît couramment sous l'appellation de l'affaire Bakassi de 1994 jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond le 10 octobre 2002. Donc j'ai défendu l'État du Cameroun, j'ai défendu notre pays dans toutes les étapes de la procédure. J'étais d'ailleurs dans cette affaire à la fois co-agent, avocat et conseil. Ses proches collaborateurs sont d'avis unanime sur la rigueur, la constance et la détermination qui caractérisent sa méthode de travail et le charisme qu'insuffle le personnage. Lorsque je reviens au Cameroun en 2005, avec quelques amis, nous travaillons à mettre sur pied un groupe de réflexion qui analyse les raisons des échecs successifs de l'opposition. C'est d'abord un travail académique qui est fait en groupe. Il est mené et nous arrivons à des conclusions que nous transformons en actions politiques. Voilà comment est créé le mouvement pour la renaissance populaire, le MRP, qui devenait MRC. Donc, le MRP, donc, dans son travail de recherche d'acteurs capables de le fortifier, va approcher pratiquement tous les responsables politiques du Cameroun. Au terme de cette réflexion, nous avons appris avec beaucoup de joie que le ministre délégué, le professeur Kamto, avait démissionné de sa charge publique et entendait faire de la politique. Nous avons été le rencontrer. Je dois dire que
À l'occasion, j'avais été accompagné par le président Bilé de l'UFP qui est encore vivant. On a discuté avec le professeur Kamto qui nous a clairement dit que son objectif n'était pas d'être nécessairement le leader de ce mouvement, mais son souhait était de voir se mettre en place un mouvement politique crédible avec des personnes sérieuses. Et les discussions ont eu cours, il a rejoint le groupe. Quand il est arrivé, il a tenu le même discours. Je viens vers vous en toute humilité pour que nous mettions en place une équipe crédible, un parti politique crédible. Peu importe la place que j'occuperai dans le mouvement, l'essentiel c'est de mettre en place un parti politique crédible. Au MRC, il y a une instance dirigeante qui s'appelle le Directoire National. Et le Directoire National est vraiment l'instance qui fonctionne le plus régulièrement possible pour prendre toutes les décisions intéressant la vie du parti, mais aussi concernant nos prises de position par rapport à la vie nationale. Le président prend les décisions toujours en accord avec le directoire. Quand il y a une question, je convoque par l'intermédiaire du secrétaire général, secrétaire national du parti, la réunion du directoire. Et au directoire, tous les membres du directoire sont égaux. Donc, je pose le problème et je demande aux gens de s'exprimer, c'est-à-dire aux membres du directoire de s'exprimer sur la question. Et il faut dire que le professeur Kamto et le MRC ont toujours dit, et c'est un leitmotiv qui ne changera jamais, que ce parti et l'homme Kamto sont des républicains qui respectent à ce titre les autorités, les institutions républicaines qui sont mises en place et au-delà de ces autorités, les personnes qui les représentent et qui les incarnent. C'est pour le MRC et pour M. Kamto une posture naturelle. Pourquoi ? Parce que pour un homme qui veut gouverner, pour un parti qui veut gouverner, on ne peut pas imaginer que ce parti soit le premier à montrer le contre-exemple en ne respectant pas l'institution qui est mise en place. C'est pour cela que nous pensons que nous devons toujours respecter les lois de la République. En dehors du directoire, les décisions sont prises également sur la base de ce que la base remonte au directoire. Lorsque nous examinons une question, nous assurons que si ça concerne une région, que la région concernée, effectivement, nous a donné sa position sur la question avant de prendre la décision. Enfin, je dirais que le directoire reflète la diversité du Cameroun. J'ai toujours dit aux gens qui voulaient ramener le parti à je ne sais quoi, que regardez bien le directoire dans sa composition. Les gens peuvent ergoter. Nous avons travaillé des nuits et des nuits pour parvenir à cette représentation et à cette représentativité des différentes régions du pays. Le premier vice-président est de l'extrême nord. Le deuxième vice-président est du centre. Le troisième vice-président est du littoral. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. Le cinquième vice-président ou la cinquième est du nord. Le secrétaire général est du nord-ouest. Le trésorier national et de l'Ouest. Voilà les membres du directoire qui sont élus d'ailleurs. Ce n'est pas, ils ne sont pas nommés par le président national. Ils sont élus par la convention du parti. Par exemple, sur une question sur laquelle je l'ai toujours entendu parler, la question du tribalisme. Maurice Kamto dit qu'il ne comprend pas que des gens aient un tant soit peu quelque chose de tribal dans leur tête. Il est absolument opposé au tribalisme. Il dit qu'aujourd'hui, le monde a évolué et que le combat des jeunes Camerounais et des Camerounais, c'est d'être en mesure de concurrencer les jeunes Japonais, les jeunes Chinois, de montrer qu'ils peuvent faire face aux défis du monde actuel. Ce n'est pas de créer des divisions entre les Camerounais, ce n'est pas de dire que telle et telle tribu
était d'une autre tribu. Cet homme ne vous demande jamais d'où vous venez quand il vous rencontre. Ce qui importe pour lui, c'est votre capacité à comprendre l'orientation qu'il donne. C'est votre capacité à défendre le Cameroun et accepter les principes qui sont ceux de la République. Pour lui, c'est ça qui est important. Et une autre fois, il avait découvert que sur les casquettes que des jeunes de Douala ont fait, les casquettes du MRC, ils ont mis sa photo sur les casquettes, mais il était absolument horrifié. Il leur a dit non, je n'ai pas besoin qu'on mette ma photo ni sur les tricots, ni sur le pain, ni encore moins sur les casquettes du MRC. Je ne suis qu'un simple serviteur de ce parti. Je suis là pour un temps. Un autre viendra avant. Et ce qu'il faut mettre en avant, ce n'est pas la personne de Maurice Kamto, c'est d'abord le parti politique et les idées, la vision que ce parti présente aux Camerounais. Il est comme ça. Et c'est ce qui fait que, par cette humilité, il a un grand respect des hommes jusqu'aux enfants. Il considère qu'un être humain est égal à un autre et que son action politique à lui, c'est de se demander qu'est-ce qu'il fait pour que demain, le Camerounais, la Camerounaise puisse vivre décemment et normalement dans son pays. Ça, c'est Maurice Kamto. Et souvent, je lui disais au début, mais professeur, vantez-vous un peu quand même. Un homme politique, il doit pouvoir dire des choses, se vanter un peu. Mais non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui laisse toujours de côté les titres qu'il a pu avoir, qui laisse de côté les fonctions qu'il a occupées pour simplement être un homme simple, un homme comme les autres. J'ai l'occasion souvent de lui dire, à chaque fois que je le rencontre et je le retrouve plutôt que je le revois, c'est de lui dire que sa thèse de droit, droit et pouvoir du droit en Afrique noire francophone, m'avait fascinée quand j'étais jeune étudiante, et que toutes les lectures que j'ai pu faire de Maurice Kamto, ses autres ouvrages comme ses articles m'ont toujours absolument fascinée. Il a une plume magnifique, il a une pensée originale, très très précise. Ce qui est nécessaire quand on est un juriste. Donc, il a eu une carrière absolument exceptionnelle que tout internationaliste aimerait avoir, c'est-à-dire qu'il est un grand universitaire et il a aussi utilisé ses grandes compétences universitaires en droit international pour plaider devant la Cour internationale de justice, pour faire partie de la Commission du droit international, qui est une instance très très importante au sein des Nations Unies, qui a pour objet de codifier le droit international. Donc ses compétences ont été reconnues à l'échelle internationale parce qu'il a intégré de multiples instances internationales. Il plaide et il a pu défendre le Cameroun devant la Cour internationale de justice, mais aussi d'autres États. Donc l'unanimité est claire s'agissant de ses compétences à l'échelle du droit international et puis à l'échelle de chacun de ses collègues. On peut apprécier ses immenses qualités d'enseignant et de chercheur. I've heard and read on social media the allegation that President or candidate or Professor Maurice Kamto is tribalistic. I think Cameroonians have to learn to get away from this way of destroying or seeking to destroy people who carry the aspiration of our nation. I don't see how a presidential candidate can afford to be tribalistic, because there is no single tribe in this country which is so big or so dominant that it will deliver the results at a general election as the election of president. So in the nature of things, I don't believe in this allegation, first for that reason, because it will be suicidal for a presidential candidate to count only on his tribe or his ethnic group, his or her tribe or his or her ethnic group. But secondly, as concerns Professor Kamto in particular, I think he has demonstrated
through the composition of the national executive of his political party, but also through the composition of the team that I observe he has around him to assist him in conducting his campaign for the forthcoming election, that he is someone who selects people based on their competence, based on what they can provide, based on the contribution that they can make to the realization of the overall objective, than on their ethnic or religious or other background. J'ai compris qu'au-delà du fait que ce soit un juriste confirmé, il est aussi un érudit et il touche à presque toutes les sciences avec une étonnante facilité. Maintenant donc, ce qui se passe, c'est que en 2013, lorsque j'organise le troisième anniversaire de mon association, qui devait se dérouler en 2014. Ça devait être un double événement, le troisième anniversaire de mon association. Et ça tombait que ça faisait les 20 ans de la publication de L'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Et avant même que la conférence ne puisse avoir lieu, on ne savait pas vraiment qui devait être là. Pourtant, il m'avait dit qu'il devait être là. C'était pour nous un fait ahurissant que nous, admirateurs de Maurice Kamto et de sa pensée, nous puissions l'avoir avec nous. Nous organisons la conférence et le professeur Kamto est là et il est dans l'assistance. Il nous a écoutés parler de son ouvrage « L'urgence de la pensée », critiqué, apprécié. Et après, il s'est levé et il a pris la parole. Et c'était encore pour nous un moment de messe intellectuelle et nous avions été frappés. Ce qui m'a marqué encore lors de cette journée, c'est que le professeur Kamto a sorti de sa poche le dernier exemplaire qui existait de son deuxième livre après L'urgence de la pensée, Déchéance de la politique. Ça a été publié en 1999 aux éditions Mandara. Il a dédicacé ce livre et il me l'a remis comme cadeau en tant que président de l'association et il me motivait dans l'ambition qui était la mienne et celle de mes camarades de mettre en marche ou bien de prendre le relais de l'activité intellectuelle. Alors le 10 février, en patrouille sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, je remarque que le partage répétitif d'un lien menant à une vidéo, soi-disant le discours du président d'un parti politique camerounais. Donc au départ, ça ne m'intéressait pas du tout, hein, parce que voilà, je me disais, ça va me bouffer les mégas pour rien. Mais plus les gens partageaient, plus je me posais la question, mais de qui parle-t-on? Et puis voilà, j'ai cliqué sur le lien. D'entrée de jeu, quand j'ai commencé à écouter le personnage, son attitude face à la caméra, et surtout le contenu de son message, j'ai été bluffée. Et voilà comment j'ai découvert Maurice Kamto. J'entendais parler de lui, mais sincèrement, ça ne m'intéressait pas. C'est après l'avoir entendu le 10 février que j'ai été accrochée. Depuis que j'écoute les discours des hommes politiques, je dois dire que c'est de loin celui qui m'a le plus marqué. C'est la chronologie qui est déballée dans ce discours. Déjà, au départ, il situe la jeunesse. Il nous présente effectivement que nous sommes, je peux appeler ça dans un gouffre, parce que c'est ce qui est. Mais il nous donne espoir par la suite en nous présentant le chemin par lequel il nous fera passer pour atteindre le succès, pour atteindre l'émergence, ou alors pour changer le visage, notre visage, pour changer le visage de la jeunesse. À travers son propos, on sent une personne qui est proche de la jeunesse, qui l'écoute au pas, et qu'il observe. J'ai surtout aimé quand la partie où il a cité certains jeunes qui pourraient être pris pour modèle. Donc tu sens quelqu'un qui écoute la jeunesse, qui l'observe et qui cible certains potentiels, qui sait cibler les potentiels. À la suite de ce discours, j'ai voulu en savoir un peu plus sur le personnage. J'ai donc fait des recherches et j'ai été vraiment touchée par ce que j'ai découvert. J'ai la ferme conviction que ce projet sera réalisé.